Et salut tout le monde, c'est Steam. On se retrouve aujourd'hui pour faire un mini let's play sur probablement le jeu de l'année. Nous sommes devant Miraculous, Rise of the Sphinx, ou le soulèvement du Sphinx, si vous préférez en français. On va faire un mini let's play, ça va se faire en 3 épisodes. C'est ma petite fille qui m'a forcé à le faire. Non, je plaisante, c'est faux. Et c'est vrai que regarder les épisodes avec elle, bah ça m'a donné envie, du coup, de faire une mini-série pendant les vacances de Noël. Et j'espère que ça vous plaira. Je m'appelle Marinette. Une fille comme les autres. Mais une part de moi n'existe que grâce à ce que Ladybug représente pour les Parisiens. Elle est un symbole d'espoir. Quelqu'un qui n'abandonnera jamais. C'est parfois une lourde responsabilité, mais ça fait partie du jeu. On a tous besoin d'un modèle à suivre. Quelqu'un qui nous aide à avancer. Surtout quand les temps sont durs. Quelqu'un capable de nous rappeler, quand on commence à perdre espoir, qu'abandonner n'est pas la solution. Vous voulez de l'info? J'ai ce qu'il vous faut. Aujourd'hui, le maire bourgeois lance son nouveau plan de nettoyage de Paris avec une escouade de robots nettoyeurs flambant neufs, aussi originaux qu'onéreux. Le maire bourgeois a bien l'intention de, je cite, « se débarrasser de ces indésirables volatiles, hideux et puants ». Monsieur Pigeon 68, je t'ai donné ton pouvoir afin que tu puisses te venger du maire bourgeois et de ses robots honteux. Mais en échange... Je vous rapporterai les Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Flash Info. L'opération Paris Propre du maire bourgeois vient d'être sabotée par le célèbre vilain, Monsieur Pigeon. Il a déployé une armée d'affreux pigeons robots qui sèment le chaos dans toute la ville. Une fois encore, Paris doit compter sur ses chers super-héros, Ladybug et Chat Noir. Monsieur Pigeon ? Encore ? C'est trop bien. Alors... Tu as faim ? Qu'est-ce que tu dirais d'une bonne châtaigne ? Appuie sur la touche carré pour attaquer. Je ne me fais pas avoir comme ça. On peut sauter et double sauter avec la croix. Je peux faire un double saut pour atteindre des endroits en hauteur. La Kuma doit être dans son appôt. Attrapons-le! Je ne vous laisserai pas transformer Paris en pigeoncratie. Les orbes lumineuses te seront utiles durant ton aventure. Ramasse-les toutes. Ok. Enfin, toutes, genre vraiment toutes. Ces orbes sont partout. Les macarons sont des friandises très appréciées de Tiki. D'accord. On va la voir. Oh non! Allez! Ok, tu peux réaliser une esquive en appuyant sur la touche croix. La touche croix, on peut tout faire avec. Ok. Ah, trop tôt. Là, d'accord. Si tu as perdu le nord, suis l'indicateur jaune. Oui, oui, c'est ce que je fais depuis le début, à vrai dire. Sous contrôle. Je sais pas à quoi ça sert, mais je pense que j'en ramasse quasiment tout en fait. Là, y a rien. Petit macaron en dessous. Tu as faim? Qu'est-ce que tu dirais d'une bonne châtaigne? Ok, donc on part avec triangle, mais j'ai repéré ça avant que tu me le dises, à vrai dire. Ah,
Certaines zones ne sont pas disponibles tout de suite. Tu devrais revenir plus tard. D'accord, donc faut refaire des niveaux. Ah d'accord, ok. Ah même ça, je peux pas l'avoir ? Ouais, non. Donc les niveaux doivent être rejoués entièrement une fois qu'on a tout débloqué. Je fouille un peu, vous permettez. Effectuer un super saut à des endroits spécifiques. Ah, ok. Pas de repos pour les braves. Aujourd'hui, c'est le jour où les pigeons se dressent contre ces Parisiens sans cœur qui les ignorent depuis trop longtemps. Maintenant, donnez-moi vos Miraculous, Ladybug et Chat Noir. Sinon... Ok, donc là, c'est un combat pour... avec tout ce qu'on a appris. Allez. Cataclysme ! Ah d'accord. On dirait que tes derniers soldats viennent de fuir le champ de bataille, monsieur Pigeon. Ok, on a Chat Noir maintenant. Si on m'avait donné une pièce à chaque fois que vous avez été akumatisé... Vous ne mourrez pas cette fois. Le règne des pigeons viendra. Allez. Les Ketchars. Qu'est-ce que je dois faire de ça? Compris. Tu as assez fait de mal comme ça, petit Akuma. Je te libère du mal! Stay! Bye bye, petit papillon. Miraculous Ladybug! Que se passe-t-il? Où suis-je? Bien joué! Des gens pensent à God of War qui sort le mois prochain alors que ce jeu existe. Je ne comprends pas pourquoi. Non, en vrai, c'est bien fait. C'est correct. Je me demande ce que sont ces orbes. Une idée, Chat Noir ? Absolument aucune. Tu penses que c'est un rapport avec les Miraculous ? Possible. Je vais aller voir Maître Fou. Je parie qu'il aura une réponse cryptique et mystérieuse à nous faire. Tu as une idée de ce que pourrait être cet orbe, Tiki ? Non, c'est la première fois que j'en vois un de toute ma vie. Ok, je ferais bien d'aller voir Maître Fou alors. Espérons qu'il me donnera une réponse franche sur ce que ça peut bien être. Oui ? Quelle belle journée ! Alors du coup, je peux changer de personnage. Bon, on va aller voir Maître Fou avec Marinette. Ah, oh, je connais les personnages, c'est grave quoi. Marinette, je t'ai vu affronter Monsieur Pigeon avec Chat Noir à la télé. Ah lui, il est retourné nourrir ses pigeons. Plus de soucis à se faire. Quant à moi, c'est un objet bizarre que j'ai trouvé en chemin qui m'intrigue. Où as-tu trouvé cette orbe, Marinette? C'est Monsieur Pigeon qui voulait s'en emparer? Pas que je sache, il était davantage préoccupé par le fait de nous prendre nos Miraculous, comme d'habitude.
Mais avez-vous déjà vu cette orbe, maître ? Non, mais je sais exactement ce que c'est. Ces orbes sont liées à une discipline Miraculous Mystique. Le but de cette discipline est d'octroyer au digne porteur du Miraculous un immense pouvoir lorsqu'une grande menace approche. Une grande menace ? Comment ça ? La présence de ces orbes est un mauvais présage. Le mal rôde. Il va se passer quelque chose. Reste en état d'alerte, Marinette. Et par-dessus tout, tu dois mettre la main sur tous ces orbes, tant qu'il en est encore temps. Reviens me voir quand tu en auras récupéré assez. Je vais me servir des orbes pour augmenter tes pouvoirs. Ainsi, Ladybug et Chat Noir auront une chance de protéger Paris une nouvelle fois. D'accord, donc du coup, quand on a assez d'orbes, on va le voir. Et genre, on peut augmenter les points de vie, l'énergie, les dégâts, la dextérité et le niveau d'habilité des personnages. Là, il me demande de prendre Chat Noir. Et c'est vrai que Chat Noir avait pas beaucoup de points de vie par rapport à Marinette, enfin à Ladybug. Ok, il m'en reste encore 123, mine de rien. Donc je pourrais augmenter les dégâts. Peut-être plus là, voilà. Et le reste, on va le garder. Et on pourra aussi débloquer des nouvelles techniques. Et les améliorer également. Salut Marinette, ça va ? Adrien ? Tu m'as fait sussoir ? Je veux dire sursauter. Sursauter, voilà. Pardon, j'ai pas fait exprès. En fait, je voulais te parler de quelque chose. Ah, à moi ? Je sais que c'est dur à croire, mais mon père a décidé d'organiser une fête chez moi pour mon anniversaire. Et tu es invité, bien sûr. Invité ? Moi ? Moi, Marinette ? Évidemment. Je veux que tous mes amis soient là. J'ai déjà prévenu Nino, qui en a parlé à Alia. Ça va être super. Alia est au courant. En tout cas, ton père a eu une super idée. Tu dois être ravi. En fait, c'est Nathalie qui a eu l'idée. Tu sais, l'assistante de mon père. Je l'ai entendu lui dire qu'il devait entretenir nos liens familiaux. Ah, quelle formule alambiquée. Mais j'ai du mal à imaginer à quel point une fête d'anniversaire au manoir Agrest peut être cool. Eh bien, ce ne sera pas la première fois qu'on en organise une, en fait. Espérons juste que personne ne sera akumatisé ce coup-ci. Oui, donc je peux retourner voir le maître hein, pour débloquer des trucs, avoir des trésors, etc. Qu'est-ce qu'ils appellent des trésors, d'ailleurs ? Là, c'est le quartier de Marinette. Ah, boutique ! Ah, il y a ça. Ah oui, mais j'ai pas assez. Ok, je pourrais débloquer des choses. Mais je n'ai pas assez pour l'instant. On peut changer de héros si on avait vu. Donc du coup, il faut que je prenne un nouveau héros. Bonjour Chloé, ça va ? Ouah, c'était quoi ça ? On me prend souvent en photo par surprise, mais c'est un de mes fans, en général. T'es à côté de la plaque, Adrichou. C'est pour mon projet d'art plastique que je dois rendre à Monsieur Monlatin. Le sujet était capturer l'instant. Affreusement et ridiculement vague. C'est pour ça que tu te balades en prenant des photos de tout le monde ? Oui, c'est super marrant en fait. Eh ben ça change de tes selfies habituels. En plus, c'est bien de voir que tu t'ouvres aux autres. Ça te va bien. Ok, on peut accéder à la chambre de Marinette en parlant à Tom Dupin, ok. Du coup, faut peut-être que je change. Mais pourquoi j'aurais besoin d'y aller, en fait ? Ça, c'est un autre niveau, mais que je ne peux pas faire pour l'instant, il semblerait. Adrien organise une super fête pour son anniversaire. J'imagine que tu n'as pas reçu d'invitation, dommage. Tu te trompes, je suis invité. Ah, il a dû inviter toute la classe, alors. C'est du Adrien tout craché. Il inclut toujours tout le monde. En tout cas, j'ai une idée de cadeau génial. Je vais le faire venir d'Italie, exprès pour lui. Aucun doute, il va adorer. On peut augmenter l'amitié avec les amis, d'accord ? Alia, alerte rouge, il me faut un cadeau pour l'anniversaire d'Adrien. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu qu'il organisait une fête ? Qu'est-ce que je vais me mettre ? Qu'est-ce que Lila va lui offrir ? Pourquoi je me suis transformé en moulin à paroles ? Respire ! C'est parce que dès qu'il s'agit d'Adrien, tu perds tes moyens. Et c'est qu'une fête d'anniversaire. Ce n'est pas une fête ordinaire, c'est LA fête d'anniversaire. C'est l'occasion de lui offrir le cadeau parfait. Tu comptes donc ne pas tout gâcher comme la dernière fois. Voilà. Bref, admettons que tu veuilles lui offrir quelque chose d'inoubliable. Quel serait ton plan ? Bah, je vais avoir besoin de mes amis, j'imagine. Je vais devoir solliciter l'aide de tous mes amis, à commencer par la tienne, Alia. Tu sais que je suis prêt à tout pour qu'Adrien et toi vous rapprochiez. Et puis, c'est trop fun.
Merci Alia, c'est génial de savoir que je peux toujours compter sur toi. Un peu plus tard... Enfin, l'école est finie. Tout à l'heure, Nino parlait d'aller au concert Jackstone. Je ne veux surtout pas manquer ça. Ça a l'air sympa. On lui demande ? T'as raison, Tiki. Faut que j'aille voir Nino. Bien, bien, bien. Ça parle, hein. Mais je pense que là, on va faire un nouveau niveau. Il me dit d'aller là-bas. On va sortir. Alors, Nino. Je crois que je t'ai vu tout à l'heure, oui. T'étais pas là, t'étais de l'autre côté. Phew, quelle journée interminable. Ce contrôle surprise de Madame Bustier était vraiment... Oh, ça va pas, Chloé? Depuis quand tu prends des photos de quelqu'un d'autre que toi? Oh, allez, c'est pas un petit flash qui va te gêner. T'aurais dû voir ta tronche, Nino. Ridicule, totalement ridicule. Hé, hey, qu'est-ce que tu mijotes, Chloé? Je travaille sur mon projet d'art plastique. Rien qui intéresserait des gens comme vous, j'en ai bien peur. Comment ça? Et allons, du calme tout le monde, d'accord? Et si on sortait s'amuser un peu? Je passe mon tour, merci bien. Je ne fréquente pas de losers. Je ne parlais pas pour toi de toute façon. Si on allait voir le concert de Jackstone, au Grand Palais. Super plan, ça ne va pas tarder à commencer, allons-y. Pardon mademoiselle Penny, mais j'ai bien peur de devoir annuler le concert. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez les tympans bouchés? J'ai dit que j'étais là pour annuler le concert. Annuler le concert? Qui l'a décidé? Vous? Non, c'est moi. Monsieur le maire bourgeois? C'est forcément un malentendu. Le concert est prévu depuis des semaines. La pollution sonore est un sujet que je prends très au sérieux, mademoiselle Penny. De nombreux résidents ont appelé le commissariat pour se plaindre. Je suis sûr que votre objectif n'est pas de casser les oreilles des honnêtes électeurs. Je veux dire, des honnêtes parisiens. Mais non, c'est pas possible. Je n'y crois pas. Tout ce travail pour rien. Désir Bell. Cet agent et le maire ne connaissent rien à la musique. Dorénavant, rien ne t'empêchera de faire résonner le doux bruit de la vengeance. En échange, tu dois m'emporter les miraculouses de Ladybug et Chat Noir. Monte le son, papillon! Elle prépare un sale coup, c'est sûr! On pourrait faire ça toute la journée! Oui, on peut enchaîner les combos, oui, effectivement. Voilà qui est réglé. Je ne suis pas contre l'idée de transformer Paris en festival de musique géant, mais pas comme ça. Les orbes lumineuses te permettent d'augmenter les capacités de tes héros. Mais oui, mais on sait. Oh! On dirait qu'on peut sauter dessus sans danger. Penny n'a pas pu organiser le concert de Jaggedstone, donc Desi Rebel a transformé la ville en salle de concert géante. J'imagine qu'on peut faire confiance aux flèches pour nous guider. Desi Rebel se sert des haut-parleurs pour étendre son pouvoir. Je vais quand même descendre. Hop. Tu vas le regretter si tu restes là. Une pirouette par-dessus un ennemi proche est passée derrière en appuyant sur la touche. Mais quelle touche? X? Ah oui, d'accord. Hop. Ça règle la question. Ces objets lévitent sans doute grâce à ces ondes sonores. C'est impressionnant. Tu aimes danser? Un coup fatal sur les ennemis étourdis en appuyant sur R1. Restons-en là. Ouais, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire, à vrai dire.
En fait, ils insinuent qu'il y a 100 macarons à trouver par niveau. C'est énorme. On fait voir au-dessus vite fait. Ouais, ça c'est typiquement le genre de choses que je ne peux pas faire pour l'instant. J'aime pas trop ça. On peut se soigner en s'occupant des ennemis. Super. Bon, à savoir. J'ai compris. Les câbles alimentent les murs de son. On va devoir en trouver la source. C'est ça. L'énergie qui alimente les murs de son provient de cette console de mixage. Il faut qu'on soit très prudent. Ah. Oui, je ne peux pas. Ah, à moins que... Attends. Il a l'air d'avoir un truc à faire, mais je vois pas quoi. Ouais, je pense que c'est une technique que je n'ai pas encore. Console de mixage. Et de deux. Localisons les autres. Pas de repos pour les braves. Bye bye, console de mixage. Combien ils sont? Ladybug peut lancer son yo-yo sur la tête des ennemis. Oui, avec cercle, tout à fait. Un point pour Ladybug. Ah, tu étais là. Vilain haut-parleur bruyant. On pourrait faire ça toute la journée. Ne me fais pas rire. Combien ils sont? Fastoche. Des instruments. On approche du but. On pourrait faire ça toute la journée. Voilà qui est réglé. Combien ils sont? Super. Tranquille, tranquille. Je veux juste aller au-dessus, voir si j'ai pas raté. Hop, parfait. À perdre. Voilà qui est réglé. Ok, par là.
Alors, est-ce que du coup, je peux faire ça avec Marinette? Pas du tout, hein. Encore une fois, c'est une technique que je n'ai pas. Je suis toujours prête. Restons-en là, d'accord? Ah, c'était ça, l'attaque fatale. Vite, allons là-bas avant que tout le monde à Paris ne devienne sourd. Je m'en charge! Restons-en là. Tu as faim? Qu'est-ce que tu dirais d'une bonne châtaigne? Un point pour Ladybug! Comment j'ai pu être touché? Ouais, je me suis un peu emballé, je savais pas trop où aller. Ça m'embête de rater des macarons. Restons-en là, d'accord? Tu aimes danser? Fastoche! On approche de la scène. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Tu as faim? Qu'est-ce que tu dirais d'une bonne châtaigne? Ça règle la question. J'imagine qu'on peut passer aux choses sérieuses maintenant. Restons-en là. Vous savez, ce serait infiniment plus simple si vous me donniez juste vos Miraculous. Occupez-vous d'eux! Pas de temps à perdre avec des incapables comme vous! Ok. Tic-tac, tic-tac, boum! Ça groove. Oh. Ok. Vous aimez ce son? Écoutez ce nouveau son. Il va tout déchirer. Ça groove. Aïe, aïe, aïe. Explosion sonore. Oula, oula. Vous aimez ce son? Explosion sonore. Mais c'est une blague. Écoutez ce nouveau son. Il va tout déchirer. Faut donner des coups de yo-yo. Vous aimez ce son? T'en veux encore? Maintenant! Cataclysme! Tu as détruit ma scène! Oups! Ton spectacle est terminé? Pas tant que la musique continue! Et c'est moi la DJ ici! Super! Quel est le problème? Oh là 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 là! On donne sa langue au chat! Oh non! Toujours pas assez rapide! Ah ouais, c'est chaud aussi! Vous pensez pouvoir suivre le... Donnez-moi vos Miraculous! Et on arrêtera les frais. Marché conclu?
Occupez-vous d'eux. Pas de temps à perdre avec des incapables comme vous. Occupez-vous d'eux. T'en veux encore? Et en vrai, c'est chaud. Super! L'Akuma doit être dans son micro. Ok. Chat noir, le panneau. Compris. C'est tout pour moi. Tu as assez fait de mal comme ça, petit Akuma. Je te libère du mal! Bye bye, petit papillon. Miraculous Ladybug! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Bien joué! Exceptionnel, incroyable. En vrai, le combat était pas facile. C'est dingue de dire ça, mais c'était pas simple. Ah. J'espère qu'il n'y aura plus d'akumatisation cette semaine. Arriverai-je un jour à passer une semaine entière à l'école comme une fille normale? Quoi qu'il en soit, il me reste un peu de temps avant de devoir aller en cours. Je peux soit m'y rendre directement, soit... Je peux me balader un peu. Pour voir ce que Paris me réserve aujourd'hui. Ah voilà, j'ai débloqué le pouvoir crochet yo-yo. Permet de ramener vers toi certains éléments du niveau. Chose qu'on a vu juste avant, qu'on pouvait pas faire encore. Qu'on est bien chez soi. Halte là, jeune fille. Monsieur Incompris ? Un problème, monsieur l'agent ? Oui. Ta mémoire te joue des tours, apparemment. As-tu déjà oublié tes agissements d'hier à la boulangerie de tes parents? J'étais là, tu sais. Hier? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Après tes frasques, de nombreuses personnes sont venues se plaindre de ton comportement offensant au commissariat. Un comportement offensant? Il doit y avoir erreur sur la personne. Je n'ai rien fait de tel, je suis innocente. Ce n'est pas à toi d'en décider. Mène-moi jusqu'à tes parents. C'est une blague? Monsieur Dupin, j'ai le regret de vous annoncer que votre fille a fait l'objet de nombreuses plaintes de vos clients hier soir. Et je dois dire que je fais partie de ces clients. Marinette a été très mal polie envers une dizaine de personnes. Elle a fait des remarques sur nos tenues et nous a insultés. Notre Marinette? Impossible. C'est forcément un malentendu. Marinette accueille toujours nos clients avec le sourire. Elle ne se comporterait jamais de cette façon. Déjà, et puis en plus, je n'étais pas au magasin hier. J'étais au concert de Jagged Stone. Tu ferais mieux d'éviter de mentir à un agent de police, Marinette. Qui dois-je croire, entre toi et une dizaine d'honnêtes citoyens? On va tirer ça au clair, c'est promis. Marinette. Voici une amende pour insulte répétée envers un agent de police dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Dupin. Si le règlement n'est pas effectué avant la date limite, l'amende sera majorée. Passez une bonne journée. Une amende? C'est bien la dernière chose dont on avait besoin. Comme si on n'avait pas déjà une tonne de paperasse à remplir. Il y a une petite faute. On va se débrouiller pour la paperasse, Tom. Ces gens qui ont dit du mal de Marinette m'inquiètent davantage. C'est vrai. C'est incompréhensible. Je suis convaincu que tu ne ferais jamais ça, Marinette. Maman, papa, merci pour votre confiance en moi. Et vous avez raison. Quelque chose cloche dans cette affaire. Nous allons découvrir le fin mot de l'histoire. Ensemble, en famille. Vous êtes super. Bon là, je dois me dépêcher pour retourner au collège. À toutes. Quant à moi, j'ai intérêt à me plonger dans ma comptabilité pour voir comment on va s'acquitter de cette amende. C'est bizarre cette histoire. Ah, faut que je lui explique ce qui s'est passé. Hé Marinette, tu as l'air préoccupée, tout va bien?
Il vient de se produire un truc très bizarre. Le papa de Sabrina est passé à notre boulangerie aujourd'hui. Il a donné une amende à mon père, en prétendant que je l'avais insulté hier soir. Lui et quelques autres personnes à la boutique de mes parents, rien de moins. Mais tu étais en cours toute la journée et ensuite, on est allé au concert de Jagged. Comment c'est possible? On est d'accord, hein? Ça me tourne boule, cette affaire. Elle n'a ni queue ni tête. Ouais, c'est vraiment trop bizarre. Mais t'en fais pas, ça doit être une farce, pas très maligne. Quelque chose me dit qu'on découvrira vite ce qui se cache derrière tout ça. Je l'espère. En attendant, je ferai mieux de retrouver ceux qui en ont souffert et de m'excuser auprès d'eux. Parfait, on se donne rendez-vous à l'école quand tu auras terminé. Mais pourquoi veux-tu t'excuser? T'as rien fait. Ce n'est rien, Marinette, on a tous des jours sans. Moi aussi, j'ai été ado, tu sais. Où sont les autres? Il y en a un là-bas. Le pain de ton père est si bon que je peux tout te pardonner, Marinette, sans rancune. Très bien. J'apprécie que tu sois venue t'excuser, Marinette. Ne t'en fais pas pour ça. Bon bah voilà, c'est vite réglé ce problème. J'ai l'impression de passer de plus en plus de temps à faire de la paperasse que de la pâtisserie. Et cette amende, c'est la cerise sur le gâteau. Papa Garou, ce policier se livre clairement à de l'abus de pouvoir et se moque des honnêtes travailleurs comme toi. Je te donne l'occasion d'inverser les rôles, pour une fois. En échange, rapporte-moi les miraculous de Ladybug et Chat Noir. Compte sur moi, papillon. Eh, vous êtes au courant? Pour les photos de gens prises au hasard que Chloé a passé sa journée à publier sur Internet? Non, un autre acumatisé est en train de semer la zizanie partout en ville. Les nouvelles ne parlent que de ça. Oh, c'est terrible. Je ferais bien de rentrer pour avertir mes parents. Et puis, j'ai une leçon de piano de prévue avant le cours de chinois. Je dois filer, salut. Ah ah. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux, Marinette? Connaître l'emplacement de l'acumatisé du jour? Bah oui, oui. D'accord, je vais te le dire. Il a été aperçu autour de Notre-Dame. On y va ensemble? Avec un peu de chance, Ladybug sera sur place. Peut-être une autre fois. Comme tu veux. Mais elle est pas au courant, elle, que... Mais elle est au courant que Ladybug, c'est Marinette. Ou que Marinette, c'est Ladybug. Allez, c'est parti. Papa Garou s'est surpassé cette fois-ci. La ville est inondée de fichiers et de formulaires. Fastoche. Alors, il me dit d'aller à droite, mais je voudrais voir ici. Voilà. Parfait. Il est forcément quelque part par ici. En tout cas, il est bien joli le niveau avec toute la paperasse, là. J'imagine qu'on peut faire confiance aux flèches pour nous guider. Ah non, je voulais pas changer, je voulais pas changer. C'est trop facile. Bon, tu me diras, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Chat Noir. Ouais, je vais devoir rechanger. Parce que normalement, je peux faire ça maintenant. Nickel. Ou pas. Il a vraiment l'intention d'inonder la ville de... paperasse ? Ça règle la question. Tu aimes danser ?
Continuons comme ça. On dirait bien que Papa Garo a décidé de nous entraîner dans son enfer administratif. Ah, celui-là, je ne peux pas. Parce que c'est avec Chat Noir, mais je n'ai pas débloqué son pouvoir encore. Petit macaron. J'ai dû en rater beaucoup. Alors, il y a 6 niveaux en tout, on en a déjà fait 2. C'est le 3ème là. On est à la moitié du jeu presque. Combien ils sont ? Pour Ladybug. Tu as faim? Qu'est-ce que tu dirais d'une bonne châtaigne? Je ne me fais pas avoir comme ça. Retournons sur les quais. Je vais vite fait voir ici, à mon avis il y a un truc, ou pas. Ah, attends. Non, je peux pas avancer plus. Qu'est-ce qu'on a ici ? Il me dit d'aller là avant. J'imagine qu'on peut passer aux choses sérieuses maintenant. Continuons comme ça. Attends, je vais retourner derrière vite fait. Qu'est-ce qu'on a ici ? Et ça, c'est un pouvoir que je n'ai pas encore. On pourrait faire ça toute la journée. Ne me fais pas rire. Retournons sur les toits. Oh, classe, Notre-Dame. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Non. Continuons comme ça. Je me souviens plus de la technique pour faire un coup fatal. Normalement, quand ils sont un peu étourdis, je peux leur faire un petit coup fatal. Il me semblait que c'était avec une gâchette, mais ça a pas l'air de marcher. J'essaye depuis tout à l'heure.
Le papillon ne l'a pas simplement réakumatisé. Il l'a rendu encore plus puissant. Tu vas le regretter si tu restes là. Je ne me fais pas avoir comme ça. Je suis toujours prête. Un point pour chat noir. Ouais, je comprends pas le bouton. J'ai tout utilisé, j'ai tout essayé. Faudrait que j'aille dans le menu à la fin. C'est trop facile. Ça paraît, je ne peux pas. Ah non! Tu as faim? Qu'est-ce que tu dirais d'une bonne châtaigne? Continuons comme ça! Il ne peut pas être bien loin! Combien ils sont? J'avoue, ils sont nombreux là. Un point pour Ladybug. Ah, c'est ça la technique. C'est bon, j'ai retrouvé. C'est avec R1. Ok. Papa Garou. Il ne peut pas être bien loin. Mon avis, pas être loin. Il faut pas que je me fasse repérer. Des rapports, des sondages, des amendes, des formulaires ou des manuels. J'ai tout ce qu'il vous faut. Il est forcément quelque part par ici. N'ayez pas peur. J'ai des cookies. Ah, je vous aurai, gros nigo. Vous resterez dans ce bourbier administratif. Pour l'éternité. Ah, je vous aurai, gros nigo. Laisse-moi. N'ayez pas peur. J'ai des cookies. Non. Ok. Vous resterez dans ce bourbier administratif pour l'éternité. Hors de mon chemin, les gamins. Honteux. Vous aimez la paperasse? Je vais vous en donner. Oula. Des tableurs, des rapports, des sondages, des amendes, des formulaires ou des manuels. J'ai tout ce qu'il vous faut. Ah, j'ai pas tout mon temps, les enfants. Mon travail est en train de s'empiler. Alors, pour info, je ne peux pas tourner la caméra. Donc c'est un peu perturbant. Administratif
pour l'éternité. Cataclysme. Vilain sac de gouttière, je vais sentir le chien mouillé maintenant. Je vous aurai, gros nigo. C'est malin, ça. Je vous aurai, gros nigo. Oui, bon, d'accord. Il est forcément dans le coin. Allez, les enfants, assez joué. Donnez-moi vos miraculous. J'ai pas tout mon temps, les enfants. Mon travail est en train de s'empiler. Hors de mon chemin, les gamins. Reviens. N'ayez pas peur. J'ai des cookies. Vous ne pourrez pas vous... Les ketchups. Du shampoing. Chat noir, ouvre-moi ça. Prends-en de la graine, Malédie. Ah, oh, ouais. Mes yeux. Mes ouais. yeux. Je ne vois plus rien. Tu as assez fait de mal comme ça, petit Akuma. Je te libère du mal. Bye bye, petit papillon. Miraculous Ladybug! Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Bien joué! Tranquille. Merci Ladybug et Chat Noir. Tout le mérite en revient à Ladybug. Je suis là que pour faire des blagues. Eh, monsieur l'agent, j'aimerais vous parler. Qu'y a-t-il ? Je suis là pour le compte de mon amie Marinette. C'est vrai que vous avez donné une amende à son père pour une infraction qu'elle n'a pas commise ? Ça ne te regarde pas. Tu ne pensais quand même pas que j'allais révéler des informations confidentielles. Ben, regardez cette photo du concert de Jagged Stone que Chloé Bourgeois a publié hier soir. On y voit bien Marinette, non ? Maintenant, regardez l'heure à laquelle elle a été publiée. Ce n'est pas à ce moment-là que vous l'avez vue à la boulangerie ? Ça mérite d'être pris en considération, effectivement. Très bien, les enfants. Je vais annuler l'amende de Monsieur Dupin. Mais à moins que Marinette ne possède le don d'ubiquité, je ne m'explique pas comment elle a pu être à la boulangerie en même temps. La crise a été évitée, Tiki. Papa est de retour à la normale et le père de Sabrina a annulé l'amende qu'il lui avait infligée. Ouais, et tout ça, c'est grâce à Ladybug. Et à Alia. Cela dit, on n'a toujours aucune piste concernant le fait qu'un clone de moi s'est livré à cette farce. C'est vrai, Marinette. Le mystère reste entier. J'imagine qu'on n'en a pas fini avec cette histoire de sosie. On y sera sûrement de nouveau confronté bientôt. Salut, Marinette. Comment tu vas ? J'ai entendu dire que ton père avait été acclimatisé hier. Est-ce qu'il va bien ? Il va bien. Merci de poser la question, Lucas. Grâce à Ladybug et Chat Noir, il est rentré sain et sauf. Que ferait-on sans ces deux-là, hein ? D'ailleurs, je voulais te dire, Marinette. Je n'ai pas de super pouvoir, mais tu pourras toujours te confier à moi. J'ai la réputation de savoir écouter, tu sais. Ouais, je sais que je peux me confier à toi. C'est super de savoir que je peux compter sur toi, Lucas. Il y a des moments où j'aurais vraiment besoin de quelqu'un en qui j'ai une confiance totale. Surtout avec toutes ces akumatisations incessantes. N'hésite jamais, Marinette. Quelle que soit ton opinion, tu sais que je ne te jugerai jamais. Merci, Lucas. Je ne l'oublierai pas. Et sinon, j'organise une fête sur le Liberty après les cours. Max va nous faire une démo de son nouveau jeu. Oh, trop cool. Compte sur moi, Lucas. Super. Oh, en fait, il y aura presque tout le monde. Adrien doit rentrer chez lui pour son cours de chinois. Et son cours d'escrime. À moins que ce soit l'inverse. Oh, espérons que le jeu de Max vaille le détour. J'ai hâte de voir ça.
Ok, j'ai un nouveau pouvoir avec chat noir, donc un des trucs qu'on pouvait pas utiliser précédemment. Je vais juste retourner vite fait voir le maître pour améliorer mes techniques et tout. Alors déjà, en théorie, je peux acheter les fameux cadeaux. Ils coûtent tous 15, j'ai 78. Ça doit être les cinématiques en fait qu'on débloque, je pense. Et aussi des concept art, etc. Après, faudrait pas que j'aille trop loin. Ah oui, il faut des macarons. Making épisode 1, c'est le making of des niveaux, j'imagine. Ouais, parce qu'il y a 6 niveaux et un combat final. C'est des, la bande son du jeu. Ouais, c'est cool, c'est cool. Ok. Donc nous avons 624 trucs. Je vais juste regarder vite fait les pouvoirs. Je peux aussi les améliorer. On va améliorer le ricochet. Et puis supercharge. Comme ça, on débloque tout. Le problème, c'est que j'ai plus rien. Donc je peux pas améliorer au final. Mais au moins, j'ai des nouvelles techniques. Donc les combats seront un peu plus... sympa par la suite. Et là les amis, merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode. La suite, très très vite. Et passez de bonnes fêtes. À bientôt, ciao tout le monde.